L'encaustique, c'est le plus vieux médium de peinture qui existe pour la peinture de chevalet. Il y a plusieurs mythologies qui englobent l'origine de l'encaustique, mais ce qu'on sait, c'est que les Grecs, dans l'Antiquité, recouvraient leurs bateaux de cire d'abeille pour les rendre hydrofuges. Et ils ont mis de la couleur, des pigments dans la cire pour que les bateaux de guerre soient le plus impressionnants possible. Et les gens qui faisaient ça ont commencé à prendre cette matière-là, donc la cire d'abeille fondue, dans laquelle il y a de la couleur, des pigments en poudre, pour faire des tableaux. Et on a encore des tableaux qui sont en condition impeccable, qui datent de plus de 2000-2300 ans. Donc, sous les bonnes conditions, c'est la matière picturale la plus permanente. Ça a été oublié longtemps dans l'histoire de l'humanité parce que quand d'autres techniques ont été développées, ça a été mis de côté. La technique comme telle est vraiment difficile à maîtriser. La cire est fondue, elle est liquide comme de l'eau quand elle est chaude, mais elle se durcit et elle solidifie instantanément. Donc, contrairement à la peinture à l'huile qui peut prendre quelques semaines à sécher, qui nous donne une latitude de travail, l'encaustique, c'est une question de secondes. Donc, il faut toujours travailler avec la chaleur. J'utilise des torches au butane, des torches au propane, des fusils à décaper, des fusils à chaleur. Donc, il faut que le coup de pinceau soit mis au bon endroit dès le départ, sinon c'est rechauffé, retravaillé avec des couteaux et tout ça. C'est très, très physique et en même temps, c'est très frustrant parce que quand on chauffe, on peut tout perdre. Donc, des journées, des semaines de travail peuvent être perdues en quelques secondes. C'est une technique qui donne un résultat extraordinaire au niveau de la richesse, mais qui demande plusieurs années d'acharnement pour peaufiner la technique, pour vraiment être capable d'arriver à ce qu'on veut. La démarche que je développe depuis maintenant plus de 20 ans, c'est vraiment ancrée sur la matière de la peinture. La peinture, c'est de la matière dans laquelle on infuse un sens. C'est très proche de ce qu'on est. En fait, on est un corps avec un intellect, une émotion. Donc, la peinture rejoint beaucoup cette notion-là, où il faut travailler avec la matière, mais en même temps, on travaille avec le concept. Donc, c'est d'intégrer les deux. Il faut que le tableau soit un bon tableau au niveau de tous les aspects du langage pictural. Il faut que le concept soit fort, mais en même temps, il faut que l'exécution soit intéressante puis survive à l'épreuve du temps. Mes tableaux sont toujours travaillés de façon à ce qu'ils changent beaucoup si on les voit à la lumière naturelle, la lumière électrique. Des fois, c'est la matière, l'encaustique, qui va être très dominante, très présent. Et le même tableau avec un éclairage différent va avoir une illusion de trois dimensions ou une illusion de perspective avec le dessin bien plus présent. Cette espèce d'oscillation entre la perception qu'on a du tableau me fascine aussi. C'est vraiment mon intérêt premier de faire un bon tableau qui englobe tous ces aspects-là. Quand j'ai commencé, l'encaustique n'était pas du tout enseigné, donc il a fallu que je découvre par moi-même. J'en avais fait un petit peu à Concordia pendant 2 heures seulement, dans un cours sur les matériaux en général. Donc je me suis inspiré de ces 2 heures d'enseignement-là pour développer une technique où je pouvais utiliser ça dans une technique mixte. Je travaillais sur aquarelle, sur papier que je collais sur panneau et je peignais par-dessus. Comme ça, si je grattais trop, si je chauffais trop, je retrouvais mon dessin et ma composition. Avec les années d'expérience, j'ai pu développer la technique assez que maintenant je peins à l'encaustique pure. Contrairement à certains peintres qui vont mélanger la peinture à l'huile ou d'autres techniques dans l'encaustique, j'utilise uniquement la cire d'abeille dans laquelle j'ajoute une résine qui est le damar, qui est une résine naturelle qui fait durcir la cire plus, et les pigments en poudre. Moi, j'achète ces pigments-là et je les mélange à ma peinture que je fabrique moi-même. Et ça a été dur d'apprendre à fabriquer ma peinture, puis ça a été de nombreuses années de recherche et de perfectionnement de la technique. Mais je suis content de l'avoir fait parce que maintenant je connais la matière de façon beaucoup plus intrinsèque et puis ça me permet d'aller enseigner aux États-Unis puis de comprendre le médium beaucoup plus que si je faisais juste acheter la peinture puis m'en servir. Le fait que je fasse ma propre peinture, mais aussi que je travaille en grand format et en représentation avec la nature morte, le paysage, et maintenant la figure humaine aussi, ça fait un aspect plus spécifique à mon travail. C'est tellement difficile de faire un tableau
que ce serait bête qu'un an après, tout se mette à écailler ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, l'aspect de la pérennité, mais aussi de la longévité du tableau était très important.